Salut, salut, c'est Metal Blaze. Aujourd'hui, je suis toujours avec Kirby Star. On est sur Terraria 1.4 et nous sommes sur le monde de Michel Forever en normal mode. Et aujourd'hui, dans cet épisode 13, Kirby Star, je t'invite à me suivre. J'arrive, j'arrive. Alors, attention, attention, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Attention! Tada! Oh! Oh! Oh, j'ai fait une salle des coffres avec plein de coffres différents. Alors du coup, il y a plein de coffres que nous avons récupérés pendant les fois précédentes, comme le coffre de granit, mais il y a aussi par exemple un coffre de glace, là ici j'ai crafté un coffre de slime. Donc tout ça c'est des coffres différents, et du coup je peux faire ça, comme ça vous pouvez voir tout ce qu'il y a dans nos coffres, hein, c'est pas très intéressant. Bon du coup, je n'ai pas que fait qu'une salle des coffres, hein, je vais quand même montrer ce que j'ai fait en off. Attention, ça va être violent. Oh! Oh, 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 il manque un ascenseur ici. Oh, 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 c'est beau. On peut aller loin comme ça. Oh, un accès. Oh, oh, un couloir. Oh, oh. Mais on va pas aller à celui-là pour le moment. On ira juste après à ce couloir. On va aller à celui-là avant. Ouh, une chauve-souris. Alors voilà, j'ai fait différents couloirs pour accéder à différentes zones importantes. Comme par exemple ce biome de champignons bleus lumineux. Voilà. Alors, si vous regardez bien la carte, là je suis dans la jungle. Et vous pouvez voir du coup là, j'ai fait une ligne droite jusque cette structure. Voilà. Et vous pouvez voir que juste au-dessus, eh ben, il y a Kirby Star. Il est juste là. Je vais quand même vous montrer. Tout ça, je l'ai fait à la main. Hein, donc, je l'ai fait en off. Donc Kirby Star n'était pas là parce que je rappelle que c'est moi qui héberge la partie. On peut voir que ça va quand même super loin et hop là. Alors je fais attention parce que je prends toujours des dégâts dessus. Voilà, j'ai même mis des murs de fond parce que quand vous mettez des murs de fond, ça empêche les monstres d'apparaître. Voilà. Alors Kirby Star, tu vois, aujourd'hui on va crafter du coup l'armure d'obsidienne. Mais toi tu es... La mariée, est-ce que tu vois de quoi je suis en train de parler actuellement? Tu as récupéré le smoking pour devenir le marié. Alors, j'ai même trouvé mieux que le smoking parce que déjà de 1, j'ai le haut de forme. C'est un objet de vanité. Regardez, je suis beau gosse. Oh, t'es ignoble, t'es affreux. Et en fait, quand vous mettez une chemise ordinaire et un jean ordinaire, tout simplement, vous avez votre apparence de base sans l'armure, mais vous avez quand même l'armure parce que du coup je suis quand même protégé. Mais moi ce que je comptais faire du coup c'est que le oui l'huile là vous pouvez acheter tout simplement du fil noir chez le couturier. Voilà, et avec du fil noir et du coup de la soie, si je dis pas de bêtises, que la soie vous craftez avec des toiles d'araignée. Il y a un PNJ là qui est inconscient, je crois. Est-ce que tu peux te déplacer sur la droite et lui faire du bouche à bouche vu que tu es la mariée? Non, là t'as envoyé un cochon. Réveille-toi, Iskistikounas, réveille-toi. Alors je vais vous montrer qu'on peut crafter de la soie avec des toiles d'araignée tout simplement. Alors, je vais en crafter énormément. Voilà. Et du coup avec ça je peux faire la chemise de smoking. Notamment pantalon de smoking. Et du coup je vais invoquer la la bataille de gobelins en fait. Voilà. Problème par contre, nous sommes en hard mode car je rappelle que nous avons tué le mur de chair. Et du coup le mur de chair, voilà. Du coup bah nous avons des ennemis plus puissants qui risquent de nous péter la gueule. Voilà, l'armée. Et là. Alors je te prie de rester de ton côté, hein, parce que bon, on va pas se battre du même côté ensemble. Ah bah si tu attaques Ah non, c'est bon, c'est pas ça. Tout va bien, on est beaucoup trop fort pour eux. Alors je vois, c'est ces ennemis là que je parlais justement qui sont plus puissants, vous pouvez voir que bah ils prennent zéro dégâts en fait. Ouah, mais attends mec, ils ont refait le design des ennemis. Oula, par contre je suis en train de crever littéralement. Certains ouais ils ont fait à l'aide, à l'aide, à l'aide, à l'aide. Mais
soigne-toi, espèce de clan. Ouais, c'est pas faux. C'est quoi de ces diablotins là? Mec, t'as un œil mécanique qui vient d'être looté. Ça. Bon, j'ai l'impression que c'est fini. C'est fini. C'est terminé. Alors, maintenant que nous avons terminé l'armée de gobelins, un PNJ très important, enfin très intéressant, peut apparaître, qui est le gobelin bricoleur. Du coup, suis-moi. Du coup, je vais vous montrer le couloir que j'ai creusé. Je passe dans le nouveau désert souterrain. Attention! Ça c'est dangereux ça, les gros scorpions noirs. Oh le golfeur. Au secours, c'est quoi ça? Oh il a pris cher. Salut. C'est quoi le golfeur? Oh ils nous vend... oh, il nous vend des trucs de golf justement. Oh trop bien. Ah mais c'est ce que... Ah mais oui. Mais oui. Enfin il nous vend des clubs de golf. Mais c'est ce que je voulais de la mise à jour en fait. Quand j'ai vu le trailer je me suis dit waouh trop bien. Attends fais voir. Trop bien. Oh oh. Oh, oh. Très intéressant, mais monsieur, alors, nous allons vous donner un domicile. Là. Voilà, et ici, regarde sur Star, il y a des racluses. Oh. Je les appelle aussi les raclures. Parce que ça ressemble à raclure. Mais bon, ça, c'est une privée joke. Récupère les crocs. Par contre, moi, je suis venu ici. Toi, tu peux récupérer les crocs, mais moi, je suis venu ici pour les toiles d'araignée, en fait. Parce que en fait, du coup, comme je le disais, pour faire l'armure d'obsidienne, il me faut de la soie. De la soie et de l'obsidienne. La soie, évidemment, il faut de la toile d'araignée. Alors fais attention, oui, mais je suis très... Ouais, mais alors, c'est bien ce que ça spawn. Alors, comme je disais aussi tout à l'heure, faut pas poser de torche ici. Parce que bah, sinon, ça va... Les monstres ne vont pas apparaître, en fait. Ils peuvent apparaître, mais beaucoup moins. Parce que les murs, en fait, permettent ces monstres d'apparaître. Alors oui, oui, les murs permettent aux monstres d'apparaître, oui, c'est compliqué de comprendre. À partir du moment que c'est des murs que vous posez, les monstres n'apparaissent plus, voilà. Alors, nous récupérons aussi des choses ici, puisque nous sommes juste à côté d'un biome Crimson souterrain. Et nous récupérons aussi des âmes de la nuit. Du coup, nous vous expliquerons dans l'épisode 14 quoi peut vous servir ces, bah, ces âmes, en fait, tout simplement. Car on va vous faire un épisode assez cool aujourd'hui. Contrairement, c'est comme moi, c'est pas possible. 11 et l'épisode 12, oui, j'ai pas envie que les autres durent une demi-heure. Alors, maintenant je peux crafter l'armure. Allez, c'est parti, crafter une armure en obsidienne, objectif atteint. Yeah. Ouais, Kirby Star, moi de mon côté, je vais aller explorer le ciel. Et vous allez me dire, bah, comment je vais explorer le ciel? Tout simplement avec des potions de gravitation. Vous prenez une potion et en fait, bah, ça vous retourne votre personnage, du coup, bah, au lieu qu'il descende vers le bas. Oui, c'est logique. Et ben, il va descendre vers le ciel. Voilà. Et là, ça va être très très long. Car je sais pas si je vais en trouver. Eh ben, j'en ai trouvé une. Ça tombe bien. Oui, oui, j'ai vraiment la tête à l'envers. On dirait pas. Mais j'ai la tête à l'envers. Au secours! Au secours! Ah, mais là, j'ai des êtres qui m'attaquent. Des harpies. Ah. Alors, du coup, nous avons des îles volantes sur des nuages. Nous avons des petites structures avec des chaises, une table et un coffre surtout. Et là j'ai alors un fer à cheval porte-bonheur et du coup le fer à cheval alors peut être intéressant. Je crois que du coup je peux l'améliorer pour un futur objectif. Mais dans le cadre où ça peut être très intéressant, c'est que du coup quand je l'utilise, je ne prends plus de dégâts de chute en fait. Oh c'est quoi ça? J'ai un dragon volant. Oh what the fuck. J'ai un dragon japonais.
Ah oui, je vois de quoi tu parles, c'est bon, oui, c'est bon. La poney. Oh là, tu fais mal, Billy. Oh, il est mort. Oh, et il m'a looté des âmes d'envol. Mais je rappelle que j'en parlerai à l'épisode suivant. Et pouvoir aussi que du coup ici il y avait la météorite et que du coup j'ai tout rebouché, j'ai fait du terraforming. T'as fait du terraria forming. C'est ça. Au secours. Putain, il y a une momie dans la à la plage quoi, c'est une blague. Une momie à la plage. Oui, tcha tcha tcha, j'espère qu'il y a une île au-dessus. Il n'y en a pas cette fois, ça marche pas chaque fois. Ah, par contre, alors je viens d'avoir de l'ishore. Ah, je te laisse expliquer à quoi ça sert. L'ishore, c'est looté par des monstres qu'il y a tout simplement dans la Crimson souterraine, voilà. Il vous permet notamment de crafter douche dorée. Metal, est-ce que tu pourrais te téléporter sur moi s'il te plaît? Non. Non. J'ai trouvé quelque chose qui pourrait te plaire. Alors, oui, et en parlant de ça, je peux dire aussi que explorer le ciel, enfin explorer les enfers et le ciel, objectif atteint. Waouh, oh mon dieu, ça me plaît déjà. J'ai rien vu, ça me plaît déjà. Je me fais glacer par une imitation carmin. Ah, super balèze ce truc. Ah oui, c'est balèze ça. Et d'ailleurs, je pense que l'épisode prochain, on va en invoquer des machins comme ça. Je vous montrerai comment on fait. Bah, y'a un problème, Kirby Star. Il se passe quoi? Tu es à l'envers? Non, tu es à l'envers. Ah oui, effectivement, je me disais aussi. Je vais crafter donc mon sceptre de reine araignée et je vais vous montrer mon armure. Yes. Et pas autre chose. Et attention, âme sensible, elle est dégueulasse cette armure. Hein. Vraiment, moi, je mets quelque chose par au-dessus parce que je la trouve vraiment ignoble. Faut que je fasse de la place dans mon inventaire. C'est pour ça que depuis le début de l'aventure, en fait, on ne voit que ta robe de mariée. Exactement. Parce que toutes les armures sont moches, mais. Non, toutes les armures ne sont pas moches. Non, je plais. Mais moi par contre je n'aime pas forcément l'armure de fusion, c'est aussi pour ça que j'ai voulu mettre un smoking pour cet épisode. Voilà. Elle est... Ah non vraiment elle est... Oh. 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 Est-ce que je peux l'avoir maintenant ça? Yes. Kirby Star, tu sais ce que je viens de looter actuellement? Je ne sais pas. Vert truffle. Ah, oh, oh. Enfin, vert truffe, du coup. J'ai dit truffle, mais c'est truffe. En fait, je vais tout simplement créer, enfin, recréer ce biome à la surface. C'est-à-dire que, créer ce biome. Alors, il me faut tout simplement de la boue. Et, du coup, des graines de champignons bleus. Kirby Star. Oui. J'ai un gobelin ligoté. Oh. Ce que je peux faire, du coup, avec cette station d'artisanat. Qui est vraiment, vraiment, c'est quasiment indispensable d'avoir ça. Parce que du coup, vous avez pu voir que j'ai acheté ces bottes fusées aux gobelins. Et j'avais déjà les bottes d'Hermès, qui permettaient de courir super vite. Et du coup, je peux crafter maintenant les bottes spectrales. Voilà, je crafte les bottes spectrales. Et du coup, ça me libère un emplacement d'accessoires. Du coup, je pourrais mettre autre chose à cet endroit-là. Alors du coup, j'ai pris de l'obsidienne parce que... On peut crafter un crâne d'obsidienne, rappelez-vous, ça nous immunise contre les blocs de feu. Plus un bouclier cobalt, vous pouvez faire le bouclier en obsidienne. Du coup, vous avez compris, du coup, ça vous immunise contre les blocs de feu et contre le recul, bien évidemment. Mais dis-moi, pourquoi est-ce que je vois qu'il est encore considéré comme matériau, ce petit bouclier en obsidienne? Et car tout simplement, on peut encore l'améliorer. Alors du coup, j'ai réussi à dropper un vert truffe. Mais je me demande à quoi ça va servir. Je me demande aussi à quoi sert ce coffre, tiens. Oh. Alors... putain, je trouve le sorcier. Oh, tu as trouvé le sorcier. Et Kirby Star, qu'est-ce que tu es en train de faire dans cette ruche, dis donc? Alors, donc je suis dans la ruche et pour réaffronter donc la reine abeille ou trouver du moins un petit peu de matériel, et je viens de trouver le magicien ligoté. D'accord, et le magicien apparaît en hard mode.
un cerf-volant en gris traptique, donc le... Oh, ton cerveau, il est lent. What the fuck? Tout va bien. Ah, ça y est, c'est passé au biome Funkyville, donc en succès biome, c'est en... Ah, tu as eu le succès Funkyville. Ouais. Et oui, effectivement, j'entends la musique. Par contre, je ne vois pas les champignons géants en fond. Puisqu'on est dans le ciel, espèce de con. Si, normalement, on peut le voir, je te jure. Or, j'ai ma tourelle magique qui te protège d'elle, mon gars. Oh putain, elle fabrique des bébés araignées. Oh. J'ai des frissons jusqu'au profond de mon âme, je te jure. Ah bah tiens, coucou toi. 2000 years later. Oh, j'ai putain, je les ai. Les lunettes mielleuses, c'est bon. Putain. Oh putain, on les a en double. Hein, ah oui. Eh ben, objectif oh, atteint. Et du coup, vous pouvez voir que. On voit bien en fond les champignons et du coup je monte tout en haut et voilà. Nous avons la musique du biome champignon, ça s'est bien développé. Et du coup c'est ici que nous allons terminer notre épisode 13 sur Terraria en normal mode sur le monde de Michel Forever. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez aussi rejoindre le Discord qui est dans la description et aussi me soutenir sur Utip. Et du coup, avec Kirby Sar, on vous dit à la prochaine. Allez, salut! Ciao!